Une excellente journée pour la section sportive. La venue d'Arthur donne un écho et une assise, je trouve, dans le monde fédéral qui est intéressante et qui manque parfois au public que j'ai. Ils sont curieux de connaître la vie d'un sportif et d'une activité qui est très proche de celle du raid multisport qu'ils pratiquent, mais qui est quand même un peu différente. Les élèves ont eu un temps effectivement d'échange avec Arthur et puis un temps de pratique, j'y tenais. C'était important qu'ils puissent s'éprouver avec un athlète de très haut niveau. Et puis un temps de demande de parrainage qui n'est pas rien et que Arthur a gentiment accepté. Je pense que c'est une après-midi conviviale et festive et sportive. Depuis quand vous faites ce métier ? Je fais que du triathlon depuis à peu près 5 ans. Voilà. Avant, j'ai fait des études. J'ai fait 2 masters. Un master à la fac de STAPS en sciences de la performance et un master à la fac de pharmacie en sciences des aliments. Et en même temps, je faisais déjà du haut niveau, mais j'ai privilégié quand même d'avoir un bagage scolaire avant de faire que ça. Allez. C'est quoi la plus grosse compétition que vous avez faite ? C'est les championnats du monde. J'ai fait 5 fois. Donc j'ai fait la première année en amateur et après 4 années supplémentaires en professionnel. 2 fois 2e et 2 fois j'ai gagné 2 fois sur les 4 dernières éditions. Comment ils faisaient pour vivre de son sport ? Si c'était mixte ces compétitions, si c'était individuel ou pas, compétition comme ça. Oui, oui. Donc Arthur, est-ce que ça te tenterait d'être le parrain de la section sportive du collège Maurice Péchaud à Lange ? Ouais, avec plaisir, ouais. J'ai été un peu surpris, j'ai envie de te dire. Après, oui, ça ne me dérange pas du tout en soi. Si ça peut donner l'envie aux enfants et s'ils peuvent se reconnaître dans ce que je fais moi pour après vivre de leur sport ou même pratiquer du sport à un peu plus haut niveau, c'est tant mieux. Hein. Franchement, il faut des modèles partout, donc tant mieux. Hein. C'est vraiment des questions générales sur comment je peux vivre, comment je peux m'entraîner, le type de compétition que je fais. Il n'y a pas eu de choses très précises ou de choses très exiguës, mais c'est vraiment des choses qui doivent leur manquer. Être athlète professionnel, c'est quelque chose que les gens connaissent très peu en France. Et voilà, ça se voit, les jeunes n'avaient aucune idée de ce qu'on pouvait, d'à quoi pouvait ressembler la vie d'un athlète professionnel.